dirait le petit garçon qui se punit tout seul. Bah, t'as encore renversé mon champagne. Fais un sourire. Non. Et mon amour, ça commence bien. Je viens d'arriver à Cannes et je suis là pour la pool party de Noëlita et mon petit bikini. Donc Noëlita, Camille, a lancé une collection qu'elle a designée en collaboration avec mon petit bikini. On est dans une villa de malade, je ne sais pas où précisément, dans les hauteurs de Cannes, à côté de Cannes. Piscine, petit food truck, les copines, c'est le top. Et on porte toutes des maillots de bain du coup de la collection. Voilà, ça c'est Camille qui l'a designé et tous ceux que vous verrez du coup dans la vidéo sont des maillots de bain designés par Camille pour mon petit bikini. Avec Mathieu et un couple d'amis à nous. On a loué un super loft en plein Marseille et on démarre la journée un peu tard puisqu'on s'est levé à midi, on a fait des photos et de la vidéo parce qu'on a plein de trucs à rendre lundi et il est approximativement 17h, nous allons déjeuner. On est arrivé au festival Mars Attack, je suis avec Noémie, Benoît, Mathieu. Et on est venu là pour voir entre autres la Funky Family mais plein d'autres groupes. Ah stylé. Et je vais en profiter pour faire des vidéos pour Guess du coup que je vais poster sur leur compte Instagram. Je pense que d'ici là vous ne pourrez pas les revoir. Voilà, donc première fois à Mars Attack. On est sorti du concert Mars Attack, on avait super faim et on a cherché sur internet où manger genre tard, sachant qu'il est minuit, et on a trouvé le Cercle Rouge. Ouais, le Cercle Rouge, petite terrasse planquée au fond d'un resto, on va manger corse, je vais vous montrer, ça a l'air incroyable et super accueil. Donc on vous recommande avant même d'avoir goûté. On dirait le petit garçon qui est puni tout seul. Mais t'es puni, je dois faire la sieste. Laisse-moi. On vient de se poser après de longues minutes de marche au Jardin Mongrand, un lieu qu'on découvre qui est assez mignon. En fait, c'est drôle parce que vous avez des boutiques et plein d'autres choses, genre une salle de sport. Je sais pas, un coin spécial, vin, etc. J'ai pas tout vu. Et au fond, dans une arrière-cour, vous avez ce lieu qui est assez ouf. Donc voilà, on est en mode transat. En train de dépérir avec le chaud et on attend nos boissons. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je coupe de la mozza. Alors les purées diront que c'est pas bon de la mettre dans une salade avec plein de... Ah bon? Alors, je pense avec la tomate, tout ça, moi j'aime bien mélanger. Moi aussi. Donc là, t'as fait quoi? T'as fait avocat, oignon, pignon de pain. Et quoi d'autre? Il y a des tomates. Il y a des tomates, il y a du jus de citron. La sucrine. Voilà. Ça a l'air trop bon.
à Marseille, on démarre avec un brunch au centre culturel égyptien, quelque chose comme ça, je vous mettrai le mot en dessous. C'est super sympa, très atypique, très tradit, merci. Et voilà, on part sur ce genre de nourriture qu'on adore. Je vais vous montrer le décor. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu Isabelle pour un petit shoot. On est à Saint-Germain sur un petit toit, voilà, elle est juste là. On a une vue de ouf, on a de la chance parce qu'il a plu en fait avant. Et là on a la lumière canon quoi. Improbable, mais il pleut. On quitte Paris sous la pluie et on arrive à Calvi sous la pluie avec près de 2 heures de retard. Donc voilà, on fonce à l'hôtel, rejoindre la team Caudalie et on va se changer en vitesse et aller dîner. On est arrivé à l'hôtel La Villa. Voilà, accueilli par Caudalie. On a plein de petits produits, c'est parfait. Et alors attendez, la vue s'il vous plaît. Alors ça, c'est toujours mon truc, je n'arrive jamais à ouvrir du premier coup. Voilà. Vue sur la citadelle au loin et la petite piscine ici. Oh, je m'ai tellement gâtée. Bon allez, je vais monter celle de bas. Je suis trop contente. Trop contente d'être ici à Calvi. Hello. Et en plus c'est drôle parce que, voilà, par exemple, cette huile divine de Caudalie, c'est une de mes préférées, c'est que je me l'applique tout le temps sur le corps. Et hier soir, je me suis dit, je l'embarque ou pas? Je me suis dit, et non, à tous les coups, il y en aura. Il y en a. Ah! Il y a d'autres beautés aussi. Ça, c'est assez fabuleux. Alors, attendez. Hop. C'est une eau que vous pouvez mettre sur le visage avant le maquillage ou après le maquillage pour vous rafraîchir ou juste pour avoir un joli teint. C'est assez canon aussi. Voilà. Donc, maintenant, on attend nos valises et on va pouvoir se préparer pour aller dîner. Est-ce qu'on est trop content? Oui! Si, regarde. On a un petit mot? J'ai quand même l'invitation soin. Je me dis si je peux me faire masser. Non, je vais dire une bêtise. T'as un petit soin, mon amour, toi aussi? Je peux me faire masser le zizi. Arrête. C'est un soin quoi? Soin visage au spa. Ah, du corps? Soin visage ou corps? La folie. Et moi, j'ai même que toi? Attends, on va se faire masser ensemble, c'est chambé. Mais je sais pas quand est-ce qu'on aura du temps libre. Soin visage ou corps? Oh là là. Avec tous les copains et copines, fromage corse et mon amour. Ça commence bien. On a pris une petite douche, on voulait faire les photos parce qu'en fait on a une série de maillots à shooter et on n'a pas du tout eu le temps. On avait qu'une heure, c'était beaucoup trop court, donc on en a profité pour nous faire une petite toilette et on repart à la plage pour un apéro pour la fameuse fête Bash. Voilà, Bash qui est partenaire, Bash, qui est partenaire du festival chaque année, qui est un très gros partenaire et voilà, ils organisent à chaque fois une grosse fête sur la plage, donc on y va une heure et demie histoire de boire un coup pour ensuite revenir à nouveau à l'hôtel et dîner avec la team Caudalie.
sixième réveil en Corse. Je ne suis pas sortie hier soir, j'ai abandonné tout le monde, j'étais trop fatiguée. J'ai pris trop de soleil, trop de vent. Et en fait, surtout ce matin, on devait shooter avec Mathieu 4 maillots de bain que vous verrez bientôt sur mon blog. Donc j'avais pas envie de ne pas être très fraîche. Voilà, donc c'est bon, la journée peut commencer. On va aller se poser un peu à la piscine, rejoindre ensuite la team Passionata pour un déjeuner avec Caudalie et Passionata. Soirée Passionata, alors on est dans le cœur du maquis, c'est un truc un peu bizarre et assez ouf en même temps. Comment vous dire ? C'est pourquoi ? Ah bah Ludivine, elle est très agacée, 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 elle est très agacée. Je croyais que c'était une Insta story. Non, elle apparaît sur mon blog comme d'habitude. Elle a l'habitude, Ludivine, d'apparaître sur les blogs. Donc voilà, on est dans le cœur du maquis. On est genre. Elle t'a encore renversé mon champagne ? J'en ai marre, on m'accuse tout le temps de renverser les verres, c'est pas moi. Elle a renversé mon champagne encore, elle m'a fait mon rosé ce matin. Parce que je veux pas qu'elle boive. Bref, je répète pour la 10e fois, on est dans le cœur du maquis, à la soirée Passionata. Donc je vous montre le petit espace où on passe la soirée, on va pouvoir boire, manger des petites charcuteries et tout. Puis surtout, il y a un set de bon entendeur si vous connaissez pas. Parce qu'on m'a dit que tu écrivais Kenza je t'aime, mais c'est pas le cas là. Non, j'ai fait un appui. Mais pourquoi faire? C'est pour moi? Ah putain, ils vont tout effacer. Non. Allez, bisous. Non, ça reste sur lui, regarde. Ludivine, on va mourir, mais on mourra ensemble. On est toujours abonné à notre compte. Non mais j'ai pas peur de la mer en temps normal parce que mon père est marin et que je fais du bateau depuis que je suis petite. Il y a des grosses vagues et j'aime pas les vagues du tout. Donc là je vous montre un petit peu. Si tu pars en mer, il y a des risques quand même. Ouais, mais là grosse comme ça. Voilà, nous venons d'arriver après plus d'une heure de bateau à la plage. C'est drôle, on était exactement ici l'année dernière avec L'Oréal. Donc on est sur une plage qui n'est accessible qu'en bateau, assez incroyable. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être en Italie, trop joli. Et on se dirige vers un petit resto qui s'appelle... Ah merde, je sais pas, je vous dirai. Voilà. Après-midi quad. Bon alors j'avoue au début j'ai pris la route, j'étais en confiance et puis quand j'ai vu la montagne j'ai fait non, vraiment pas. Donc Mathieu a pris le volant, il se débrouille plutôt super bien. Voilà, on est une petite équipe, merci. Et voilà, on va aller visiter le maquis. Oui. Tout le monde chante en même temps. Ah quand même. Happy birthday to you.
Bon anniversaire Lulu. La Tchakosu. Oui. Et que tu fasses un vœu. Vous avez mis deux bougies puisque j'ai 20 ans, bien sûr. I'm 20 today. Ok, je souffle et j'en fous partout là. Tu veux me voir souffler sur des sur la farine, vas-y. Oui. Merci beaucoup. Ils sont beaux.